Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, oui, comme vous avez vu dans le titre, mes achats pour la broderie. Mea culpa. Alors, je n'ai fait qu'une seule vidéo pour tous mes achats, enfin tous mes achats, il n'y en a pas une tonne, hein, je vous rassure, mais pour les différentes boutiques. Vous allez avoir du poussière d'étoiles, oui. Vous allez avoir de l'univers broderie, oui. Vous allez avoir de la maison du canevas, oui, oui, oui. Et vous allez avoir du Vinted, oui. Alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop de bruit. Parce qu'ils sont en train de... Ils viennent de nous enlever les tôles de la cabane qui est dans la cour. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, vous voyez, ça c'est ma cabane, ici. Ça c'est celle du voisin. Et donc, ils nous ont enlevé le toit. Là, il y a des tôles ici pour changer. Faites pas attention, le bordel au fond du jardin. Hein, c'est parce qu'on va aller porter tout ça à la déchetterie. Là, ils sont aussi en train de faire chez les autres voisins. Et donc, vous voyez, c'est ces tôles-là qu'ils ont enlevées. C'est des tôles d'éternite, donc des tôles d'amiante. Et normalement, ils avaient tout bâché. Alors, est-ce qu'on voit? Vous voyez, ils avaient tout bâché à l'intérieur, mais là, maintenant, tout est enlevé. Du coup, je crois qu'il y a de la poussière partout. Je vais pouvoir tout laver. Surtout qu'il y avait de l'amiante. Donc, c'est super. Donc, voilà. Donc là, j'attends qu'ils viennent finir. J'espère qu'ils ne vont pas oublier de venir. Hein. Donc, voilà. Vous avez vu ce qu'on est en train de nous faire. Du coup, bon, il n'y a pas grand-chose de très important dans la cabane, hein, mais voilà. Alors, on va commencer par qui? Ben, on va commencer par poussière d'étoiles, par Sabine. Alors là, c'est une toute petite commande. Parce que, alors, j'aime bien, c'est que... Alors, je cache mon adresse. Sabine, à chaque fois que je reçois tes enveloppes, ben, elles sont jamais oblitérées. Le timbre n'est jamais oblitéré. À la poche chez toi, ils savent pas. Alors, toujours le petit papier marqué « Merci de tenir ma de soutenir ma petite entreprise ». Donc, j'essaie de toujours faire au mieux. Alors, bon, on a toujours le petit papier pour remercier et pour dire de laisser un avis sur la boutique. Chose que j'oublie à chaque fois, il faut que j'y aille. Le petit papier pour expliquer comment se servir des aimants à aiguilles. Oui, parce que ce sont des aimants à aiguilles aujourd'hui. Oui, il est tout mignon. Petit lapin en stickers. Hop, voilà. Avec un petit sachet de thé, le petit cadeau de tout que l'on a à chaque commande. Alors, si j'arrive à trouver le bout. Je trouve plus le bout. Voilà. Et dedans, alors, je vais regarder le sachet de thé, à quoi il est cette fois-ci. Ah, oh, ben alors, c'est quoi ça? J'arrive pas à attraper. Voilà. Alors, fruits rouges. Voilà. Du fruit rouge. Et un petit stickers, petit lapin. Et bien sûr, on a toujours la carte de visite de Sabine. Alors, je n'ai pas pris beaucoup. J'étais raisonnable. Deux aimants aiguilles. Alors, je montre le petit stickers. Le petit zibou. Le petit zibou. Et celui-ci. Allez, on ouvre le premier. Alors, je vous remettrai en barre d'infos le lien de la boutique de Sabine et le code promo que vous pouvez utiliser, sauf sur les box, les nouveautés et les cartes cadeaux. Sur tout le reste, vous pouvez l'utiliser. Voilà, ça vous donne 10% sur votre commande. Voilà, alors, celui, le premier, un petit renard.
sous les petits champignons. Il est trop joli. Et les petits zibous. Bah oui, il fallait bien que je prenne un petit zibou. C'est une chouette ou un zibou? Non, je crois que c'est plutôt un hibou. Voilà. Regardez-moi ça, comme il est beau. Alors, il y avait eu plein de nouveautés cette semaine. Mais bon, là, j'ai pu en prendre que deux. Mais je suis toujours très contente de... Ça y est, je baille. C'est l'heure. Oh, tous les jours, à la même heure, je baille. Je suis toujours très contente de recevoir des petites choses de chez Sabine. Voilà. Encore merci, Sabine, pour tout ce que tu fais dans ta boutique. Donc, ça, c'était... la boutique de Sabine, poussière d'étoiles. Ensuite, alors, univers broderie. Je ne sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, si. Alors, chez univers broderie, j'ai craqué sur la toute dernière création, enfin grille de Lily Point. C'est la toute dernière. Voilà, c'est celle qui vient juste de sortir. Voilà, mes petites madeleines. Elle est trop trop belle. Il y en a une autre qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais je l'aime moins. Il y avait, parce que comme j'ai dit, il y avait beaucoup de jaune. C'était sur le mimosa. Le mimosa. mais celle-ci, c'est la toute dernière. Alors, c'est la recette des madeleines. Donc, vous pouvez broder soit sur un torchon que vous trouvez également dans les boutiques, ou soit sur une toile, comme moi, je vais faire. Moi, le moment venu, je le ferai sur une toile. Donc, fouettez 3 œufs avec 100 g de sucre, une pincée de sel, ajoutez, voilà, etc., etc. Donc, on a la recette des madeleines. C'est bon, les madeleines. Donc, je pense qu'elles se brodent toujours sur la même taille. Oui, Laïda, 8. Chez Egart. Alors, eux, ils font un fil mouliné sur du 8, mais moi, je le fais en deux. J'aime pas, à part le point arrière, je n'aime pas broder en un fil. Dimension de l'ouvrage réalisé, 25,8 sur 25. Ouais, c'est toujours à peu près pareil. Et donc, vous voyez, vous pouvez aussi le broder sur le torchon Boone ou Isa de chez Graziano. Liseré rouge ou gris en 8 points au centimètre ou sur un tote bag. Voilà. Et bien sûr, avec ça, j'ai eu les fils. Voilà. Edith, tu as plein de fils chez toi. Tu as tout plein de fils chez toi. Hein, 2 fois 447, ça fait déjà presque 900. Plus les 100, plus 100, plus 100, plus 100, plus 100 que tu as reçus. Donc, tu as des fils, Lydith, chez toi. Mais oui, mais les Lily Point, je les fais en DMC. Je vous montre les couleurs. Alors, la première, la 921. La 3858. La 3823. Voilà. La 816. La 3822, la 502, la 676, la 977 et la 3072. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 échevettes. Alors, chacun fait comme il veut. Hein. Ce sont des échevettes. Voilà. Les écheveaux, c'est pour la laine. Voilà.
Ça, ce sont des échevêtes. Parce que souvent, je sais qu'il y a des filles qui savent pas échevêtes, échevaux, non. Échevaux, ce n'est pas le pluriel de échevêtes. Les échevêtes, c'est pour les fils à broder, comme ceci. Et les échevaux, ce sont c'est la laine. Vous savez, les trucs tressés, là, de laine, pour tricoter. Voilà. Là, ce sont des échevaux. Petite explication. Mais bon, chacun fait comme il veut, hein. C'est juste pour le dire. Alors, avec, j'ai eu, bien sûr, hop, il y a une petite poussière, ma toile. Alors là, c'est de l'Aïda. C'est de l'Aïda 8. Alors, hop. Donc, c'est un carré de 50 sur 50, je crois, un truc comme ça. On ne doit pas être loin. Ouais, 50. Et il est peut-être un peu plus long de l'autre côté. Ça doit être 55. Oui. Si j'enlève la... Oh, comment ça s'appelle ça? Enfin, la petite bordure, là, j'ai oublié le nom. Là, ça fait 54 et demi. Et ça fait 55 et demi avec la petite bordure ici. Voilà. J'ai oublié le nom. Voyez, je vous fais un cours sur les échevêtes et les échevaux. Et moi, j'oublie le nom de la bordure. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Ça, c'est pour faire donc oups, les madeleines. Et j'avais besoin d'une autre toile pour faire une broderie que je vous montrerai. Là, c'est de l'étamine. Et je l'ai pris en bleu, comme ceci. Je vais vous remarquer à l'écran le nom exact de la toile et de sa couleur. Voilà. Oui, on voit mieux. Donc, c'est un bleu. Je ne sais plus. Je crois que c'est un peu plus grand, je pense. Pas beaucoup, mais... Hop, hop, hop. Alors... On est à 67. 53,5. Je crois que la taille normale, ça devait être du 60 sur 50 ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Je vous remarquerai de toute façon. Et je vous marquerai les prix. Parce que j'ai rien pris avec moi là sous la main. J'étais perturbée avec les ouvriers. J'ai rien préparé. Voilà. Donc celle-ci, ce sera pour faire une future broderie que je vous présenterai bientôt. Voilà, ça c'était chez Univers Broderie. La maison du canevas, ça je l'ai reçu tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Ben là, j'ai les prix par contre. Alors, j'ai eu tout en promo. Il y en a un que j'ai eu à 50% et les deux autres choses à 30%. Alors, ce qui m'a fait rire. Alors, chez Maison du Canevas, c'est toujours bien emballé, hein, tout propre, bien nickel. Pour moi, avoir les frais de port, je ne sais plus pourquoi j'avais pris. Je crois que c'était pour avoir les frais de port gratuits ou je ne sais plus. J'ai pris une échevette en plus. Oui, du fil. Mais une. Alors, je vous montre. Le sachet pour une échevette. La maison du canevas. Vous êtes vraiment nickel dans vos envois et tout. Mais il faudrait peut-être que vous achetiez des sachets plus petits pour moins gaspiller. Ce serait plus économique, écologique. Voilà.
ou mettre dans un petit sachet papier, comme ça. Ça suffirait pour une échauvette. Sachet. Échauvette. Là, il y a quelque chose à revoir. Bon, c'était une. J'ai pris une échauvette au hasard. C'est la 807. Voilà. Je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. C'est pas grave. Et j'ai pris deux kits de broderie. Un Lucas. Voilà. Donc, certaines d'entre vous vont être contentes que j'ai pris un Lucas. Et un Riolis. Voilà. Alors, je vais d'abord vous montrer le Lucas. Voilà, c'est celui-ci. Petits oiseaux. Azosio. Alors, je n'ai jamais eu de kit avec les fils mis comme ça. Alors, attendez. Voir le patron, voilà. Alors, ça c'est la couverture. Hein. À l'intérieur, vous avez des explications comment faire vos points. Voilà. Après, c'est en anglais et en, je ne sais pas quoi, du russe ou dans ce style-là. J'ai plusieurs papiers dedans. Alors, bon, ça c'est pas en français. Je comprends bien que c'est la garantie. Donc il y a l'email. Donc il y a un problème avec le kit, je pense. Ah, voilà. Ici, sur l'autre papier, là, il donne les explications. En français, c'est là. Brodé, sa toile, hein, voilà. Ici, on a tous les symboles. Donc, on retrouve le dessin. Il y a 30 couleurs. La taille, elle fera 10 sur 17 cm, donc c'est une petite broderie. Il va y avoir du. Quand il y a du mélange. Je pense qu'il y a du mélange. Bon, il y a beaucoup de points arrière, bien sûr. Alors, le patron, gigantesque, voilà, tout en papier, papier normal, mais très, très bien imprimé, très clair, oui, je vous en montre un petit bout, voilà. Mais, là, je ne vous montre pas tout, hein, puisque là, c'est d'un. J'ai mes fils qui sont présentés sur des cartonnettes comme ceci. Voilà. Alors, ce sont bien des fils si bruns. Oui. Donc, voilà les premières couleurs. Une deuxième comme ceci. Et une troisième comme cela. De très jolies couleurs, hein. Donc, on retrouve les symboles ici. Les symboles et également pour les points arrière, il le montre également. Et j'ai une toile. Alors, j'ai une aiguille. Voilà. Hop, je vais l'enlever 2 minutes pour
pour vous montrer donc la toile. Voilà. Donc c'est de l'Aïda. Alors la toile, c'est... Est-ce que je sais sur quoi c'est? C'est de la Zégante Aïda. La 6,3. Donc la 16 CT. Voilà, 30 couleurs. Et ça se brode en deux fils, bien sûr. Voilà. Donc là, la toile est souple, hein, elle est très très bien. Je vais remettre l'aiguille dessus pour pas la perdre. Donc voilà, alors ce premier kit, je l'ai eu à 30%. Sa valeur, son prix réel, c'est 14,30 €. Voilà. Et moi, je l'ai eu à 10 €. 10,01 € exactement. Voilà, je changerai mieux tout après. Et alors, j'ai pris un kit ici. Donc, c'est un Riolis, la marque Riolis. Vous avez dû déjà le voir. Bah, je pense que chez Fred, jamais sans mon aiguille. Coucou Fred. Vous avez dû le voir. Puis, je pense chez d'autres filles, mais je ne saurais plus donner les noms tout de suite. Et donc, il me plaisait beaucoup. Mais je ne vais pas vous le présenter en entier aujourd'hui. Parce que je veux faire une vidéo comparaison. Voilà. Avec. Et j'attends l'autre kit. Là, il n'est pas encore arrivé. Donc, je vais juste vous présenter l'image. Et vous dire les caractéristiques du kit. Donc, c'est un 21-30. Est-ce qu'on a le nombre de couleurs? 25 couleurs et c'est un 14 CT. Voilà, c'est sur une toile 14 CT Aïda. Et oui, voilà, je peux rien vous dire d'autre pour l'instant. Je vais juste vous montrer l'image et donc voilà, c'est celui-ci, il est connu. Il est vraiment très très joli, très beau. Et donc, et voilà, on a les couleurs comme ça. Et donc, celui-là, je vous le présenterai en détail très prochainement dans ma vidéo comparaison avec un kit que j'ai d'une autre boutique, un faux kit. Et je vous montrerai donc la différence qu'il y a entre les deux, plus en détail quand je le recevrai. Voilà. Oui, je sais, je suis vilaine. Mais ça vous obligera à regarder une prochaine vidéo, voilà, où je vous montrerai donc en comparaison ce kit. Alors, celui-ci, je l'ai eu au prix de... Ah oui. 25 €, c'est son prix normal. Et moi, je l'ai eu à 50%. Donc, c'est surtout pour ça que je l'avais pris. Je l'ai eu à 12,50 €. Voilà. Voilà pour les boutiques. Maintenant, chez Vinted. Vinted, bah, c'est de l'occasion. Et j'ai... Alors, moi, j'avais déjà ces livres. J'ai déjà eu ces livres chez moi. Mais lors d'un déménagement, on a perdu tout un carton. Et bien sûr qu'on n'a jamais retrouvé. Hein. Et du coup, ben, je suis contente d'avoir retrouvé ces livres. C'est des livres qu'ils ont. Celui-là est 2008 et celui-ci il est de 2007. Voilà,
Donc, celui-là, c'était le premier. Et d'ailleurs, j'ai... Ah, ben, elle est là. Attends, bougez pas. Je vais vous la montrer. Hop. Allez, viens là, toi. Ah, oups là. J'ai manqué de la faire tomber. J'avais d'ailleurs fait déjà une broderie, entre autres. Il y en avait une autre que j'avais faite, mais celle-là, je l'avais offerte. Elle est mal encadrée, hein. Très mal encadrée. Voilà, j'avais fait cette broderie-là. Donc, ça remonte un siècle. Voilà. Avec les petites poupoules, les petits poussins, l'abécédaire. Voilà. J'avais fait ça donc sur une toile rouge, ça doit être du 14-7, non, ouais, ou du 7, c'est pas du 8, c'est sûr, ça doit être du 7 ou du 5-5, mais bon, mais c'est vrai que là, elle est très très mal encadrée, elle est, mais bon, à l'époque, j'étais pas trop habituée à encadrer. Et donc voilà, le premier qui est, il y a une youtubeuse, je vous remarque le nom ici, j'ai une très mauvaise mémoire des noms, hein, qui le montre très souvent parce qu'elle fait beaucoup de broderies de ce livre. Et d'ailleurs, je sais qu'elle veut en commencer une. Elle va faire celle-là, broderie. Voilà. Le fil à linge. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, le fil à linge. Et je sais qu'elle va le faire avec d'autres brodeuses. Peut-être que je le ferai. Je verrai. De toute façon, elle n'est pas très grande, cette broderie. Alors, je regarde. Les explications. Alors, ben voilà. Ah non, ça c'est la grille. Ben, je vous la montre de loin. Là. La grille de celle que moi j'ai faite. Mais le livre est en parfait état. Hein. La personne n'a pas dû l'ouvrir beaucoup. Hein, je vous assure. Vraiment nickel. Voilà. La broderie que moi j'ai faite, elle est faite sur du lin. Alors celle-là, elle est page 22-23. Voilà. Ah bah non, j'ai pas le nombre, j'ai pas les explications. Où est-ce qu'elle serait marquée ailleurs? Non. C'est quand même bizarre. Pourquoi j'ai pas les numéros? Je me rappelle plus comment il marchait ce fil. Ce livre. Ah voilà, ici derrière, je crois. Alors. Oui, c'est là. Alors, ça, c'est les poupoules. Pour vous dire que ça faisait longtemps que j'avais. Donc ça, c'est. Voilà. C'est, le cahier technique est à la fin. Vous voyez, comme ça. Donc là, vous avez toutes les couleurs que vous allez avoir besoin pour tous ces ouvrages-là. Et en dessous de chaque image, vous avez les explications. Donc la taille, la toile qu'il vous faudra et les couleurs de fil. Et, ah, fil à linge, le voilà. Donc, il va faire, c'est 30 sur 15 cm sur du lin naturel 12 fils. Bon, moi, du lin, je ne brode pas sur du lin, mais je peux le faire sur de l'étamine. Voilà, et on me met, donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 couleurs pour celui-là, pour le fil à linge. Alors, il y a 4 thématiques dessus. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Vous allez retrouver à la fin le cahier technique et au début l'introduction. Alors de Helen Wide, 3 petites croix, une maison de bois, 4, 5, 6 et les arbres fleurissent.
comme une comptine enfantine, l'univers des brodeuses américaines se décline au fil des saisons et des inspirations. Très stylisée, petite maison et personnages côtoient dans une même ronde fleurs et végétation naïve, drôles d'animaux, scènes de la vie quotidienne, fêtes et événements familiaux. Ces motifs sont particulièrement originaux, surprenants et souvent dessinés avec humour. La gamme colorée est à la fois profonde et raffinée. Au fil des pages de ce livre, j'ai souhaité vous faire découvrir l'univers dans lequel a baigné mon enfance et vous livrer de nombreux motifs très simples et faciles à réaliser qui feront, je l'espère, votre bonheur et celui de toutes les brodeuses. Voilà. C'est vrai que c'est un livre très facile. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques modèles si vous ne connaissez pas. Je vous montre au hasard, mais attendez, parce que je ne veux pas vous montrer les grilles. Hein. Donc, ça, ce sont les grilles. Alors, regardez, c'est vraiment très mignon. C'est bah, c'est les poupoules, ça, vous les avez vues. Voilà, une genre de petite maison comme ça. Ah, on est en train de mettre mes tôles. Là, c'est sur le thème de l'automne. Bon, il y a un peu d'Halloween. Moi, Halloween, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas très grave. Alors, il y en a. Celle-là, je l'aime beaucoup. Alors, elle est très grande, mais je l'aime beaucoup. J'ai justement une toile d'étamine orange, ça irait bien dessus. Là, c'est l'hiver. Donc, vraiment très très beau. Alors, bien sûr, sur Vinted, j'ai payé pas cher. Hein, ça vient de chez Marabout. Voilà, 100% créateur, c'est marqué. Alors, retrouvez l'univers des brodeuses américaines au fil des saisons et des inspirations. Très stylisé, petite maison et personnages côtoient dans une même ronde fleurs et végétation naïve, drôles d'animaux, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, etc. Alors, ça a été fait par Ellen Wide, d'origine. Alors, vous pouvez peut-être encore le trouver sur Amazon. Je regarderai, je vous mettrai les liens. Il y en a encore qui en vendent sur Vinted. Donc, j'en ai vu encore. Moi, j'ai pris dans les moins chers, tant qu'à faire. De mémoire, je pense que j'ai dû... à la base, il coûte 15 euros. Et chez Vinted, j'ai dû payer... Alors, il y en a un que j'ai payé 6 euros. Il était à 7. J'ai négocié. 1 euro, c'est 1 euro. Hein. J'ai négocié, donc je l'ai eu à 6 euros. Et le deuxième, quand j'ai voulu négocier, j'ai jamais eu la réponse de la vendeuse. Donc, je dis, bon, allez, j'annule ma négociation et puis je le paye au prix. Je crois que je l'ai payé 7 euros également. Et le deuxième, c'est celui-ci, l'ABC Country au point de croix. Donc, c'est la suite hein, de celui-là. Voilà. C'est toujours de Ellen Wide. Donc, c'est la suite. C'est celui qu'elle a fait l'année d'après. Toujours les mêmes thèmes, printemps, été, automne, hiver et le cahier technique à la fin. Donc, c'est toujours la même chose. Vous voyez. Donc, toujours des broderies de brodeuses américaines. Voilà. Là, c'est le printemps. Assez coloré. Mais c'est des modèles vraiment très simples. Hein, sans prise de tête. Qui vont se broder tout seuls. Attendez, je regarde. Oui, ils sont en train de mettre les tôles. J'étais en train de regarder. Bon, le monsieur ne m'a pas vu. Mais j'ai eu peur, j'ai vu qu'il a fait ça, j'ai cru qu'il allait tomber à l'intérieur des cabanes. C'est pas le moment. Hein.
Alors, je vous ai montré. Alors, ça, c'est l'été, je pense. Alors, ici, voilà, vous voyez, là, avec les petites vaches, c'est trop rigolo. En haut, regardez, les petites ruches sont trop, trop choux. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, là, il me faut 2 vies pour tout faire. Oui, regardez les ruches, on les voit en plus grand ici. Elles sont vraiment très mignonnes. Donc ça doit être l'été que je vous ai montré. Là, ce sont les grilles. Ici, l'automne. Alors là, l'automne, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'Halloween. Regardez ici. Avec les petites maisons. Vraiment très jolie. Et là encore avec des petites poules. Ils aiment bien les poules hein, en Amérique. Alors, ça c'est les grilles. Et l'hiver. Voilà. Mais bon, c'est un livre ce sont 2 livres qui sont très, enfin, qui sont connus, qui doivent être dans pas mal de bibliothèques de brodeuses. Et donc, j'ai le cahier technique à la fin, normalement, c'est ça? Oui, j'ai le cahier technique, vous voyez. Ça, c'est le cahier technique pour savoir quelle toile vous devez utiliser, quel fil, enfin, quelle couleur de fil, etc. Bon, c'est beaucoup, pardon, c'est beaucoup du lin. Mais bon, si vous êtes comme moi, que vous n'aimez pas, enfin, moi, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'avec mes yeux, le lin, c'est compliqué. Donc, vous pouvez le faire sur de l'étamine, sur de l'aïda, sur ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, vous retrouvez vraiment toutes. Là, vous avez des petites ruches. Donc, les ruches sont faites pareil sur du lin blanc, 12 fils. Chaque tableau fait 6 sur 19. Voilà. Donc là, bon, si vous voulez faire les quatre modèles pour la ruche, vous pouvez faire. Alors, il y a le triptyque, et par 4, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Enfin, bon, vous pouvez faire les quatre, les mettre l'une à côté de l'autre. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment très heureuse d'avoir retrouvé ces livres. Parce que je vous dis, moi, je les avais. J'avais d'autres livres. Hein. C'est un carton complet de bouquins que l'on m'a perdu pendant un déménagement. J'avais presque tous mes livres de broderie dedans. J'en avais des beaux. J'en avais des très beaux. Et bon, ça fait quelques années hein, maintenant que je l'ai perdu. Mais voilà, j'ai eu les boules. Hein. La société de déménagement à l'époque a recherché. Elle nous a indemnisés. Mais bon, indemnisés pour des livres, voilà, je ne sais plus combien on a eu, mais ce n'était pas la valeur des livres qu'il y avait dedans. Voilà. Et moi, Ah ben non, je les ai rangés là-bas. Je crois qu'il me reste plus que 3 livres de broderie. Alors. Donc 4. Je crois qu'il m'en reste. Ouais, je crois qu'il m'en reste que 4. Alors, j'ai celui-là. C'était l'agenda Marie-Claire. Alors, il m'en restait un peu plus, hein, mais il y en a quand même que j'avais. Mais bon, celui-là, il n'y a rien d'intéressant dedans. Les poulets et les poulettes. Voilà. Celui-là, il est bien. Mais bon, c'est du simple. Hein. Vous voyez, c'est des trucs assez simples. Des Vautier. Alors, des Vautier, il m'en manque. Je croyais les avoir.
faut que je cherche. Mais là, c'est du Vautier, mais avec du cartonnage. C'est de la broderie et du cartonnage. Voilà. Donc, cela, je les ai. Là, je suis en train de vendre tous mes livres de cartonnage. Ils sont sur mon Vinted, d'ailleurs. Mais là, je les garde pour les broderies. Pas pour les boîtes, parce que je n'en ferai plus. Mais je les garde pour les broderies. Voilà. Donc, pour mes achats, bah, c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. Donc, le kit Riolis, vous allez le revoir très bientôt. Mais là, je vous le déballerai. Vous pouvez m'engueuler hein, dans les commentaires hein, si vous vouliez le voir déballer tout de suite. Vous pouvez me disputer. Mais c'est pas grave. Vous le verrez sur la prochaine vidéo. Sur une prochaine vidéo rapidement, j'espère. Parce que je vais absolument faire une comparaison avec. J'ai d'autres comparaisons d'ailleurs à vous faire. Je vous ferai les vidéos là cette semaine. Et là, je suis contente. Voilà. Alors, vous avez vu donc mes deux livres que j'ai eus chez Vinted. Voilà. Vous avez vu mes toiles, enfin mon kit, ma toile bleue, voilà, chez Univers Broderie. Mon kit complet de Lily Point avec les madeleines. Voilà. Bon, une échevette. Je ne sais plus pourquoi j'ai pris cette échevette, c'est ça le pire. Donc, le kit Riolis. Et alors, celui-là, je ne l'ai pas encore emballé. Elle est où l'image? Elle est là. Et mon kit Lucas S. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors, je pensais avoir commandé un troisième kit. Et puis non, ben, j'ai dû l'enlever. Alors, quand j'ai fait ma commande chez Maison du Canevas, j'ai mis dans le panier, j'ai enlevé du panier, j'ai remis dans le panier, j'ai enlevé du panier. Ça a duré une après-midi. Ça a duré toute une après-midi. Il y a plein de trucs que je voulais prendre. Mais alors, je mettais, j'enlevais, je mettais. Et il y en a un là que ben, je croyais l'avoir laissé dans le panier. Puis, ben non. Je l'ai enlevé. Rien, je reprendrai une prochaine fois. J'attendrai les prochaines promos. Parce que bon, dans ces boutiques-là, j'essaie d'attendre les promos. De commander quand il y a des promos. Parce que, bah voilà, si je peux avoir moins cher, c'est mieux. Je crois qu'on est toutes comme ça, hein, par les temps qui courent. du coup, bah, quand il y aura une prochaine promo. Là, il y a des promos encore, mais bon, là, je viens de la faire la commande, donc on ne va pas exagérer. Hein. On ne va pas tenter le diable. Malgré que, mais non, là, je vais attendre. Bon, je n'arrive pas à le remballer, je vais le remballer hors caméra. Je vais quand même attendre, parce que, bah voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaye de ne oublier aucun lien, je vais tout vous mettre en barre d'infos. Si vous avez déjà fait certains de ces kits, dites-le-moi. Si vous avez acheté le dernier Lily Point, dites-le-moi. Si vous avez ces deux bouquins Country, ben dites-le-moi également. Est-ce que vous avez déjà fait beaucoup de broderie dedans? Ben est-ce que vous avez brodé les poupoules hein, que moi j'avais fait, que je vais d'ailleurs réencadrer, hein, je pense, bientôt. Parce que là, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, le cadre me plaît, hein, mais c'est la toile à l'intérieur. On dirait qu'elle est toute gondolée. Donc, il faudra que je refais ça plus proprement. Je vais peut-être mettre une mousse. J'ai de la mousse fine. Donc, je vais peut-être mettre une mousse derrière. Là, lui redonner un bon coup de fer. Voir si j'ai besoin de la relaver. Malgré que moi, c'est très, 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 très rare que je lave mes broderies. Voilà. Si je la lave, c'est vraiment qu'elle est dégueu. Qu'elle est... Mais c'est très, très rare que je lave mes broderies. Donc, voilà bah, ma petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas combien de minutes elle dure. Là, je vais voir ça au montage. Et puis, très important, mes aimants à aiguilles de chez Sabine de la boutique Poussière d'Étoiles. Donc, je vous remets les liens de sa boutique, les codes promo.
également. Voilà. Et je vous remets mon Vinted, comme ça, si jamais certaines d'entre vous sont intéressées par les livres que j'ai mis en vente, ben, n'hésitez pas à aller voir. Allez, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous!